Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, on se retrouve pour ce 9e épisode sur Killzone Shadowfall. Alors je vais pas vous mentir, j'ai eu un petit temps d'arrêt entre la partie 8 et ce qui va suivre. Vous me connaissez, j'ai enregistré en une prise, quoi, en une soirée, 8 épisodes d'affilée. Donc là, ça fait quand même quelques jours, ça fait 3-4 jours que je n'ai pas joué au jeu. Donc, on va voir comment ça se passe. D'accord, direct un comic book. Je sais pas du tout si c'était par là qu'il fallait aller. Alors, entre-temps, j'ai reçu BF4. Je l'ai un petit peu testé. Et c'est vrai qu'il est magnifique aussi sur console. Alors, ça se passe comment? Sais pas du tout si c'est là qu'il faut aller. Et personnellement, en fait, alors une personne m'a posé. Une question me demandant si lequel des deux jeux était le plus beau graphiquement entre BF4 et Killzone Shadowfall sur PS4 du moins. Et je peux vous dire que Killzone est bien plus beau que BF4 sur console. Je pense que pour améliorer la fluidité et tout ça sur leur jeu, sur leur version console, ils ont quand même un petit peu baissé les graphismes, même si c'est très très beau. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est très très beau sur console. Alors on va le ramasser au cas où, je sais pas pourquoi, mais t'as va nous dire de faire quelque chose avec. Il y en a plusieurs. Kélan, on ne pouvait pas faire autrement. Nul n'était digne de confiance avec ma sœur vivante. Les deux camps ont détruit la totalité de cette planète. On ne peut pas accepter le même sort pour Vecta. C'est sûr, mais pour ça, il faut trouver Stahl et détruire l'arme. Ces puits gravitationnels nous aideront à traverser le terrain. Tu ne peux pas endommager la foreuse sans une bonbonne de pétrusite fixée dessus. S'il t'en faut une autre, tire sur un bot. Ils en ont toujours sur eux. D'accord. Bien. Recule et vise la bonbonne. Wow. J'irai le nage. C'est grave stylé, hein. Séparons-nous. Ils ne pourront pas nous repérer. Ce vaisseau est notre seule piste. Suis la fumée et garde le contact. Suis la fumée. Quelle fumée, bitches? De quelle fumée elle parle? Wow, ça casse les yeux. Je sais pas du tout où aller là. Oh, l'ambiance, elle est chelou. Je peux monter ici ou pas? Alors déjà il y a un truc. Putain, je me suis cagué dessus en fait, j'ai entendu un bruit mais rien à voir. Il a pas dû tirer dessus pour avoir les... Donne-moi ça, toi. Et franchement, là, la planète, elle est. C'est chaud ce qu'on leur a fait quand même, hein. Ce qu'on leur a fait, quoi. Moi, j'ai rien fait du tout. Ce qu'ils leur ont fait dans le jeu. Ils ont détruit leur planète, quoi. C'est devenu hardcore, hein. Et c'est magnifique. Franchement, je crois que c'est l'un des plus hauts plateaux de. What? C'est vraiment très beau ce qu'ils ont fait hein, en termes de visu, franchement c'est.
C'est juste impressionnant. Et là, franchement, ça se laisse porter, quoi. Ça se passe super bien. Absolument magnifique. Donc, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait, comme d'habitude. J'oublie tout le temps de faire. Donc, ça doit faire à peu près... je veux dire 5 minutes que j'ai commencé. Je vais envoyer le chrono. Et on est parti. Décidément, ce jeu va de surprise en surprise. Je m'attendais pas du tout à avoir. C'est quoi ce truc? Une unité d'analyse mobile. Elle appartient au réseau défensif. On doit la neutraliser. Ouais, mais t'as vu la taille de l'engin, wesh? Quoi? Quoi? T'as vu la taille de l'engin ou quoi? C'est quoi ce truc? Oh putain, il m'a focus. Ah, et puis les musiques, nickel. Ok, c'est bon, j'ai trouvé où il fallait tirer. Évidemment. Peut-être ça. Eh, la musique elle défonce hein. J'aime bien hein, franchement j'aime beaucoup. C'est simple, efficace et pas cher. Non, je sais pas pourquoi je dis ça. Je suis défoncé. Je mets une autre. Ben je cherche Coco. What? Je vais monter par là. Je me dis, je suis en totale découverte, donc je sais pas du tout. Bon ben ok hein. Pour l'effet de surprise, je repasserai hein. Bon, du coup, je sais pas si je l'ai défoncé le truc quoi, s'il fallait que s'il faut que je le défonce ou parce que là j'ai tracé, j'ai l'impression. C'est quoi ce truc? Oh, 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 c'est quoi ça? Oh non. J'ai presque oublié que j'avais mon ami Owl. Je vais baisser un peu le son du jeu parce que il est juste 3h du mat. Ok, donc lui il est pété. Je sais pas trop où il faut aller. Le monde il est bizarre hein. Ok. Chelou hein. Ah ouais, normal. J'ai eu chaud. Sois prudent. Ne perdons pas de temps. On n'est pas loin du crash. À l'époque, il s'est...
Ouais, ça va être chaud, il va falloir qu'on descende par là, là. Ça va être tendu, hein. Ça me plaît. Ça me plaît aussi. On va y aller mollo, hein. Je pourrais y aller avec la tyrolienne, mais je préfère y aller mollo. J'aimerais aussi trouver des munitions par la même occasion. Wow. Oh, c'est super bien fait ça, quoi. Carrément le truc c'est démoli. Ah, je vois des mines là-bas au loin. Bon, à mon avis, il va falloir que je me fasse pas repérer par. Je peux aller jusqu'à là-bas ou pas? Pas du tout. Il y a des mines là aussi. C'est cool. Pour info, j'ai cru comprendre qu'il y avait 10 chapitres. Donc on se retrouve dans le 8ème chapitre. Ex m'a conseillé de le faire vraiment en infiltration. Le dernier chapitre, parce qu'il m'a dit que c'était quand même assez chaud. Allez, vas-y, pirate-le. Je sais pas pourquoi je peux pas le pirater. Ah, parce que d'accord. Oh merde, 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 merde. Merci. Ouais, mais j'ai peur que. C'est pas grave, c'est pas grave. Pète-moi la gueule. Hop, 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 hop. Je le savais, je suis allé trop près. Ah, ouais, quand même, ouais. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Évidemment, je pense que. Oh! Holy shit! Je pense que. C'est quoi ça? Je les mets à chaque fois, les trucs de pétrusite, mais. Ah merde, il y en avait déjà un. Mais il fallait juste peut-être tirer dessus. Alors, en quel honneur il faut remonter vers là, je sais pas. Ah, déjà, j'ai un point qui me dit d'aller, c'est ça à 130 mètres. Donc, c'est cool, déjà, il y a quelque chose. Après, je sais pas où il veut me faire monter. Est-ce que ça servait à quelque chose? Pas du tout. Est-ce qu'il y a un truc sur le toit là-bas? On peut pas y aller. Le truc sert à que dalle. D'accord, ok, c'est cool. Bon, 130 mètres. Pourquoi ça meurt pas? Pourquoi ça veut pas? Il se passe quoi là? Ok, putain, voilà les effets quoi, c'est. Vous allez me dire, hein, peut-être c'est juste du détail, mais c'est ce qui fait vraiment le charme là, c'est juste hallucinant. Oh putain de merde! Donne-moi les mines et je me casse! Ah non, mais c'est par là en plus qu'il fallait aller. Alors attendez une seconde. Est-ce que je peux passer par au-dessus? Oups, pause. Non. Bon, lui m'a grillé déjà. Comme ça, c'est fier. J'aimerais pas que son cousin me grille. Pose le truc ici. Tu fais pas le con, pose le truc. Je sais pas pourquoi je le pose, hein, mais voilà. Détruisez l'alimentation externe. Et c'est cool. Bon, rentre lui là-bas, il me fait super peur. J'ai pas envie de le vexer, vous voyez ce que je veux dire.
Bon allez, vas-y, on fonce. Pas le temps pour ces conneries. Ok, c'est pas là qu'il faut aller. Donc l'alimentation. Coucou. Ok, ok, ok. Non, non, ça va, je rigole, je rigole. Ok, non, mais je trace. Non, mais attends, c'est juste un point de vue. Ok, non, mais attends. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Trace, bordel, trace! On est où? Pouah. Bon, j'ai compris, il va falloir que je les dessoude. Ok, non mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc X m'a prévenu, il m'a dit que ça allait être super chaud, il y a des passages à la fin qui sont super durs. Je sais pas s'il parlait de celui-ci. Alors, je sais pas s'il faut faire tous ceux de. Bon, on va taper dans ça. Merde. Je suis allé où tout à l'heure? Par là plutôt. Qui voulait pas se détruire, le bordel? Je sais pas du tout ce que je fais, hein, je vous préviens, hein, je sais pas du tout, hein. Là je suis vraiment en mode, peut-être je couperai si c'est trop long lors de la vidéo, parce que personnellement je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais. Déjà lui il faut que je le spot. Ah c'est du C4, ok. Encore balle trinque. C'est quoi ce truc? Attends, laisse-moi tranquille là, j'ai une arme, je comprends rien. Il se détruit tout seul quoi. Je comprends rien, c'est quoi ce truc là? Fou, j'ai rien compris. Bon, écoute, ça l'a tué, tant mieux. Je vais pas m'en plaindre. Parlons peu. Putain, il y a une petite araignée qui me court après, je la vois là. Donc, lui, comme ça, c'est fait. Maintenant, il y a le gros là-bas, le gros bijou. Attends, dis-moi que tu m'as lâché un petit truc, un petit cadeau. Ouais, 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 tu m'as lâché plusieurs cadeaux. Vas-y, all bot-leur le cul. Ok, donc ça c'est mort. Ok, ça, des munes. Non, pas de munes. Bon, maintenant il faut que je mette le bordel. Par contre, il faudrait que je trouve un robot. Ouais, il y en a un. Gracias, señorita. Vite, vite, vite avant qu'il me regarde. Alors, à peine une personne qui découvre ma chaîne qui me demande si je suis du sud, je pense que j'aurais du mal à m'en cacher. Non, en fait, je suis belge. Tu vois, il parle comme ça, je sais pas comment il parle. Je suis le cousin caché d'ex-VSK. Ouh là là, non, non, non. Non, ça, non, par contre.
J'adore Rex, mais être son cousin, oulala. Je pense pas, ma gueule. Vite, 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 mets-le. Mais en fait, je comprends pas, d'accord, j'ai ramassé les pétrusites, mais tu veux que j'en fasse quoi après? Il est juste derrière, il est à 70 mètres le truc, mais alors maintenant que j'ai fait ça, je fais quoi? Tu vois ce que je te dis ou pas? Je comprends pas trop les bails là. En même temps, y'a rien qui te dit. Tu veux dire sur l'alimentation, je suis d'accord avec toi, cousin. Mais c'est trop compliqué pour moi, tu comprends. Regarde pas comme ça, chacal. Je peux même pas le verrouiller, le bordel, hein, c'est ça le pire. Hein. D'accord. C'est méchant ça? Oui, c'est méchant. Ils sont plusieurs en plus! Mais qu'est-ce qu'il fait? Je préfère. Bon, j'aurais mis 5 minutes pour comprendre ça, mais c'est bien, j'ai compris. Ah, attendez, juste je me camoufle. Ouais, et où? D'accord. J'étais obligé de faire ça pour passer en fait. Moi j'aurais compris un truc au moins. Ah, des armes. Tu m'étonnes. Après ce qu'on leur a fait. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Moi j'ai rien fait du tout. Oh, il est carbonisé. J'entends une petite bébête qui me court après depuis tout à l'heure. Coucou toi. Alors. Storm, d'accord. Accéder, nanana. J'ai vu un truc qui brillait, c'est quoi cette arme? T'as un truc second? Non, t'as rien. Donc je préfère garder ça. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Je mets comme ça, moi. Ça pique un peu, hein. Et mais les effets de lumière, quoi. Waouh. Je me répète, hein. Mais regardez, soit c'est juste un truc de fou. Et je vois qu'il y a pas mal de personnes qui le trouvent magnifique aussi. Je suis pas le seul, hein. Après, en live, c'est vrai qu'on avait parlé avec des abonnés. J'ai un visuel sur le site. Attendez, je termine ce qu'il dit. Il est là. C'est Tyrann.
Ouais, donc je disais, on parlait, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir Crysis 3 sur PS4 pour voir ce qu'il donne. Alors. Bon, il n'y a pas grand-chose là. Si, 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 c'est quoi ça? C'est des ennemis? C'est quoi ce truc? Plusieurs, je comprends pas c'est quoi les bails là. Ah oui, c'est vrai, j'ai le mode. J'ai vu des grenades là. Ah, évidemment, je recharge pas. Je l'ai ou pas? Oh putain! Vite, recharge! Ah, deux coups, c'est bon. Oh lol! Stylé! Oh, les flammes! C'est quoi ça? Oh yeah! Oh yeah! Attends, on va pas déconner quand même. On va pas déconner. Je sais pas ce que j'ai avec les chansons ce soir. Ça va. En plus, t'es tout rouge. Allez, défonce-le. Je suis tout rouge là. Oh, c'est quoi ce truc? Eh, mais il déconne plus là. Allez, recharge vite! Mais j'ai passé où mon arme? Je me suis même pas rendu compte. Oh putain! Oh! Et il croit que c'est la fête lui! Je le savais! Il est mort? Il est mort. Donne-moi mon arme. Faut des recharges. Faudrait que je trouve de l'adrénaline aussi là. L'adrénaline? Je t'ai vu. On a un peu ici. Le comic. Comic book. Ah bon, c'était pas de l'adrénaline notre truc. C'est face un petit peu chelou, hein, je vais pas vous mentir, mais c'est plutôt. Moi j'apprécie, après je sais pas vous quoi, ce que vous en pensez. Alors, il y a un truc là qui est assez simple à prendre. Voilà, comme ça j'ai récupéré mes deux adrénalines. Donc je vais tomber l'arme ici. C'est quoi ce truc? What? Bah, faut, je sais pas ce que c'était ça. Ça avait l'air d'être intéressant. Alors, je sais déjà plus où étaient les pétrusites. Je crois que c'était vers là. Et merde! Ah, y'en a un là-bas, y'en a un ici. Donc, je vais prendre celui-là. Ah, y'en avait un là ici aussi. D'accord, c'est juste à côté. J'ai fait tout le tour pour rien. Bon, c'est pas grave. Bon, celui-là encore, ça va, il est tranquille. Ok, alimentation def. Deuxième alimentation. Sérieux?
je vois que dalle avec la lumière, c'est hallucinant. Je t'ai vu, coquin, je t'ai vu. Évidemment, si je tire pas sur le robot, ça va pas le faire. Les FPS à la manette. Ok, carrément. J'étais là, mon ami. Je t'en veux pas, je t'en veux pas. Qu'est-ce qu'il me demande ? D'accord. Bon, maintenant, j'aimerais bien trouver le deuxième. D'accord, le deuxième se trouvant ici. J'espère qu'il n'y en a que deux. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Je suis invisible. Mais non, attends, arrête. Il est pas mort ? Dylan, je suis juste au-dessus de toi. Où ? Utilise le puits gravitationnel. D'accord. Je vais devant. Tu vas devant ? Tu vas devant où ? Tu restes ici, ouais. C'est moi, je te dis qui c'est qui part ou qui c'est qui part pas. Ok ? Wow. Allez, bordel. Ça tremble, on bouge. Attention aux chutes de débris. Oh là là, je sens la phase péter. Fais gaffe, Kellan. Et je peux pas courir. Bouger, ça bouge, ouais. Cet endroit tombe. Je le vois. Il nous mène tout droit vers l'arme. L'armement est considérable. On ne passera pas à moins de neutraliser l'unité d'analyse mobile. Je trouverai un autre chemin. Si on les prend de flanc, on aura de meilleures chances de créer une brèche. Et quoi qu'il arrive, Kellan, l'arme est la priorité. Ils ne doivent pas l'utiliser. Faisons en sorte de ne pas en arriver là. Ok, tant mieux. Bah écoutez, on s'est retrouvé juste... Je sais pas où c'est qu'elle nous a mené. Bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce 9e épisode. Regardez-moi ça, quoi. Franchement, non, c'est 1000 fois plus beau la version Killzone PS4 que Battlefield 4. Je peux lui dire, là, maintenant que j'ai testé les deux versions. Même si, encore une fois, BF4 est très très beau. Peut-être certains crieront au scandale ou c'est pas comparable ou ce que vous voulez. C'est juste qu'on m'a posé la question. Donc j'y réponds en vidéo. Et non, personnellement, franchement... ce jeu, moi je vous l'ai dit lors de la première vidéo sur l'intégrale, pour moi c'est une démo technique, il n'y a rien à dire, c'est juste pour vous montrer les capacités de la console et je pense ce qu'ils pourront faire et ce qui va être amélioré et tout ça. Et là on le voit bien au niveau des textures, au niveau de tout, de l'éclairage, franchement c'est juste magnifique. Personnellement j'en attends pas plus. Si franchement, s'ils arrivent à pousser encore plus, ça peut être énorme. Franchement, The Last of Us 2, je pense que ça va être vraiment une claque, le bordel, quand ça sortira. Même Infamous, hein, l'air de rien, j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient vraiment très très beaux. De toute façon, on verra ça tout au long de l'année. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à très très bientôt sur la Noctu. C'était Parano, allez, prenez soin de vous. Peace.